Yo tout le monde, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver pour cet xième épisode de Rome de Total War. J'ai perdu le fil, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? Oui, on venait de prendre l'Éthiopie. Ah, c'est très très bien. On va y faire des mines. Une mine, deux mines. Ils sont déjà en trois, elles me rapportent beaucoup. Hein. Regardez comment elles me rapportent l'Éthiopie déjà, quoi. Énorme. On a dit qu'on attendait ici pour faire une ville de forgeron. Oui, on va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une promotion? Non. Non. Pas de soucis. Eux, on va les faire remonter. Donc, ouais, on va refaire monter l'armée de Cléopâtre. Voilà, pour juguler la très probable sécession en Libye. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Tu t'attends, il n'y a aucun problème. Oui, avec les flottes, j'avais également prévu simplement faire le tour des fleuves, hein, ouvrir le commerce, hein, le tour des fleuves. Ah, des grands fleuves, hein. Le tour des mers. Simplement pour ouvrir le commerce, voilà. Me faire connaître du monde, tout ça quoi. Je sais plus, je suis marié avec qui en fait, hein? Je sais même plus. Les Garantes? Ah non, les Himyars. Avec eux. Très bien. Ok, là bon, c'est bien trop tôt pour faire un empire. Attends quoi? Ah, j'ai cru voir plus un de nourriture. J'étais en mode. Ah, je veux bien qu'on produise beaucoup de bouffe, mais là quand même. C'est peut-être un petit peu abusé quand même. Alors, voyons voir. J'ai hâte de voir ce que va faire Nabatée. Qui se rapproche avec une petite armée, quoi, près d'Alexandria. On sait pas trop ce qu'il fait. Je m'entends pas spécialement mal avec, mais pas spécialement bien non plus. Ouais, il est perdu, je pense. Populace scandalisée. Moins 3 par tour. Ouais, ça va, hein, faut arrêter. Ou... Ah oui, mais c'est parce que je suis pas dans la ville. Voilà, ça ira mieux. Je vais même aller à Ptolémaïstéron. Ce sera mieux. Ouais, non, elle va pouvoir recruter une bonne unité bien, bien forte. Ça sert à rien que je la fasse récupérer une unité de cette armée qui ne servira pas avant un moment, j'espère. Plus un d'autorisé pour les membres de parties ciblées. Il faut plus d'autorité que la cible. Ouf! 9 d'autorité! Ouf! Wouah! Mais attends, mais comment ça se fait? Ah ouais. Galopeur, épouse intelligente. Ah bah purée! Elle est épouse intelligente, elle en rapporte, hein! Époux opportuniste. Ah. Ah non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Époux. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. C'est énorme. Plus 2 d'autorité. Oh là là. Énorme. Bref. Ah oui, on va pouvoir recruter des agents. On a de l'argent pour le faire. Et on a aussi. Bah non, on a de l'argent. On n'est pas parti plus loin. Non, ce que je voulais voir aussi, c'est si les agents valent le coup. S'ils sont pas ouf. La partie, elle est longue à jouer sa partie. Touloumti. On va voir déjà si eux ils sont en guerre contre quelqu'un. Non, parfait. On est comment au niveau hors de pub? On est très bien. On va faire un. On va refaire des champs. Hein.
Ok. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut recruter? En position d'entretien, moins de coûts. Stimulation commerciale. C'est pas génial. Ah. Plus 1 pour tous les attributs du général. Ça, c'est vraiment pas mal en vrai. Allez, je vais le recruter et les autres, on va le faire à l'ancienne. C'est-à-dire, hop. Hop. Voilà, bah quand t'as pas le choix, je sais que par tour, du coup. Il y en aura un nouveau qui sera proposé. Ouais, par contre, bon, faut le faire quand on a de l'argent, quoi. C'est vrai que c'est dommage. Là, c'est pas génial, quoi. Regardez, là, on n'en a plus. J'ai pas arrivé à cliquer. Hein. En fait, c'est plus bas que ce que je pensais. Enfin, c'est plus bas que ce que j'ai l'habitude. Et du coup, à chaque fois, je suis en mode hop, on va partir très haut. En fait, non, non, pas besoin. Allez, le dernier. Voilà. Et si tout se passe bien, en théorie, d'ailleurs un jour j'irai habiter en théorie, parce qu'en théorie tout se passe bien. On devrait avoir un nouveau diplomate et un nouveau champion. Proposé du moins. Après, s'il est nul. Bah, s'il est nul, il est nul. Hein. Mais bon. Là, vu que j'ai un peu d'argent, au grand mot, les grands remèdes. Bélier, toc toc toc. Ah. Artillerie de pont. Voilà, gestion. Hop. Faut finir au moins ça. Et là. Ville forgeron. Très très bien. Et normalement, roulement de tambour. Voilà. Plus un. Oh. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Bon, lui, il est toujours aussi nul, c'est dommage. Et je vais prendre ma. Je vais prendre cette femme noble. Elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Et alors je sais encore. Alors je sais pas qui y a en. C'est les. Ah zut, les points de développement là, les développements qu'elle peut faire, je ne les connais pas. Bon, on va regarder ça le tour d'après. Parce que voilà, je veux comparer avec lui. En gros, je veux comparer avec l'espion et la femme noble, parce qu'il me semble que un des deux, au moins un des deux, a aussi un développement, enfin une. Je sais plus comment ça s'appelle, enfin voilà. Elle peut encore se développer en donnant plus 1 ou plus 2, plus 3 en fonction du niveau, dans toutes les caractéristiques ou d'autorité, je ne sais plus, au général. Autant dire que si on a un général autoritaire, ça va être énorme. Faction rencontrée, Mascate. Faction rencontrée, partie. Ah ouais? Ah oui. Ils s'entendent très bien avec eux. Bah vous savez quoi, on va essayer d'ouvrir un peu le commerce. Hein. Ouais, avec des non-agressions, accès militaire. Un petit peu d'argent. Ah. Pas un petit peu d'argent. On va tenter l'accès militaire d'ailleurs, voilà. Putain, je m'entends mieux avec lui, quoi. J'ai plus de facilité avec, avec les autres. Alors, parti. Traité avec Persia. Ouais, c'est un peu trop. Non, on les connaît pas. On va faire comme si on les connaissait pas, on les avait pas vus. La technique de l'autruche. J'ai pas vu. On me voit pas. Je t'ai pas vu, donc je ne te vois pas. On va voir comment ça se passe ici. Ok. Ah. Oula. C'est pas normalement Antoine tout ça? Oulala. Eh, tu veux pas dégager tes troupes, toi? Je pense que c'est une demande honnête, hein. C'est. Ouais. Tiens. Où est-ce que je l'ai recruté?
Elle est ici. Femme noble, parfait. On a les obélisques radieux. On avancera les tours d'après. Je veux juste voir si on est vraiment proche d'une sécession ou pas. Déjà, qu'est-ce qui déteste les Romains? Je m'en fous. Populiste. Je m'en fous. Diplomate. Le chef est diplomate et l'autre. Ah ouais, bigot, non mais. Le successeur, là, regardez le successeur. Vraiment, il aura que des traits négatifs. Hein, c'est. On sait quoi, on va purger un coup. Le prochain tour. Ouais, le prochain tour. Et là, je vais faire un petit recrutement. Voilà, cavalerie égyptienne. J'ai les. Guerrier de. Non, fidèle de Sobek. C'est pas mal ça. Voilà. Là, le moral, le bonheur public, l'ordre public monte. Et ici, nourriture, hein, comme d'hab. Peut-être d'ailleurs recruter une petite unité de plus là à la ville. À cette ville là-bas. On va forcer une sécession. Ogila. Voilà. Alexandria, de toute façon, elle est bien défendue par ses murs. Oui, on va purger. Voilà, ça fait toujours du bien de purger. 34%! Ça augmente bien, j'aime. J'aime beaucoup, hein. Et on va éduquer les enfants, on a de l'argent. Voilà. On éduque tout ce beau petit monde, c'est parfait. Oh, une mine. Ah, faudra que je fasse un gymnastique. Non, un palestré. Alors, je vais peut-être me faire avoir. Parce que je vous avoue que des fois ils aiment bien changer de province, tu vois, un peu comme ça à l'improviste. Et si ça se trouve, j'emmène tout le monde à l'ouest alors que ça sera, passera au sud. Bon là, je serais un petit peu dégoûté, on va pas se mentir. Ça va être marche forcée direction sud. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir eu de sécession. Il n'y a pas eu de sécession. Ah, voilà. C'est ça que je voulais voir. La portée de déplacement, mais on est d'accord, ça donne pas de. Ça non. Ouais. Donc c'est ça, c'est pas l'espion qui donne. Hein. C'est pas l'espion qui donne des caractéristiques. Dommage. Ah, ça y est, enfin. Regardez, il est là. 10 points d'expérience, d'unité en plus à chaque tour pour l'armée apparentée. Ça, c'est fait. Qu'on fait ici. Oh oui, regardez, on va même faire une petite siège blindée. C'est pas mal. Tac tac tac. Qu'est-ce que je voulais? Zut, du coup j'en ai totalement oublié ce que je voulais faire. Si j'avais ça et je voulais voir au niveau des agences si j'en ai pas un autre qui était intéressant. Non.
On va augmenter le temps d'apposition, on va le mettre ici. On peut purger encore un petit coup? Oh. Non, on peut pas. Oh, zut. Ah oui, attendez. C'est ça que je voulais voir. Ok, c'est bon, ils ont gardé la Libye. Ça me rassure. Oula, il y a du monde. Oula là. Ah. Alors, ça se trouve, du coup, c'est... Non, c'est l'espion. Oui, lui, on lui fera voler de la nourriture. Et du coup, toi... Ça doit être toi. Ah mince. Ah bah zut alors. Ah bah zut alors, c'est pas eux. Ça... Loyauté. Conversion. Entretien. Plus de niveau. Recrutement. Discrédité. Ah, voilà, conseiller. Ah, je me disais, bah zut alors, c'est où? Conseiller. Ah bah ça va être un conseiller. Voilà. Être un conseiller. La petite sécession là, je suis à 34% quand même. Un, une chance sur 3. Deux tours, hein, une chance sur 3. Voilà, je serai à deux tiers. Merci pour les maths. Pour une fois, ça me sert. Ah zut, j'ai pas bouché. Bouché. Non, pas bouché, bouger les flottes. Donc je vais le faire en premier lieu. Sinon j'ai oublié. C'est pas vrai. Toujours pas de sécession quoi. Ouah, ça pousse dur là. Bon. Faction rencontrée, tiens, c'est marrant, c'était pas les mêmes il y a pas longtemps. On va faire du commerce avec les locaux. Petit accord commerciaux. Commercial, pardon. Petit pack de noix d'agression. Ouais, un petit paiement. Oui. Oh. Ouais. Ah, dommage. Si je fais ça, mais que j'ai fait et qu'en fait j'exige, voilà, pareil, c'est cool. Mon opinion, oui, raisonnée, oui. Ouais, je vais pas le faire avec lui, hein. Les Caracènes. Non, 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 non. J'aime pas trop, ils sont trop impliqués là. Ah oui, c'est vrai, j'avais. Ça. Là, je vais améliorer. Lui, je vais le faire entraîner Ptolémée Césarion. Oh. Jolie armée. Bon, j'ai de l'argent, autant améliorer tout le reste. Hein. Il n'y avait pas là aussi? Oui. Voilà, puis on va faire une petite purge, hein, tu vois. 74% quand même. Hein. Là, s'ils partent pas, je comprends pas. Je préférerais vérifier au cas où. Puis je vais me mettre là, sur les côtés. Purement au cas où quoi, on sait jamais. Comme on dit. Hop, ça très sûrement servira à rien, mais c'est pas grave. Un petit tour, petit épisode calme apparemment. Oui, il a monté de niveau Cléopâtre, c'est bien ça. Putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah vache, les risques de sécession, pourtant ils sont, ils crèvent des plafonds. Là, je peux pas faire plus, les gars. Vous m'excuserez, hein, mais 100%, peut pas mieux faire. J'ai tout donné là. Ok, alors pareil, toujours la petite vérification au cas où. Ok, c'est bon.
Il y a de la neige dans le désert là, c'est pas normal. Ah quoi que, hein. Ça peut arriver des fois, je veux bien, mais là quand même. Est-ce qu'on peut éduquer du coup? Un petit galus, allez, c'est parti. Hop, voilà. Qui es-tu? Ouais, bon, comme d'hab. C'est pas ce qu'ils font ici. Je sais pas. Ah, zut, c'était pas Cléopâtre qui avait monté de niveau. Hop là, bon, c'est bien, ça fait toujours des 11 d'autorité, quoi. 16% de chance de blesser des agents ennemis en autodéfense, plus 40% à la taille de la zone d'influence du commandant. Bim! Ça, c'est fait. On voit qu'au niveau des Roms, ça bouge beaucoup. Ça bouge vraiment beaucoup. Sécession, oui, nouveau parti créé. Non, déjà les gars, famille carthaginoise. Aime les. Ça n'a pas de sens, ce jeu. Ce jeu n'a aucun sens. Aime les Romains. T'es carthaginois. Tu peux pas aimer les Romains. Oh là là, tu me tues. Plus de loyauté pendant 3 tours pour chaque victoire militaire. 6 maximum par tour. Mercantile. Plus 1 de loyauté pour chaque accord commercial négocié. Plus 10 max. Eh ben, y a pas de souci. Par contre, aime les Romains. Faut arrêter. Allez, toi, tu vas faire. Ah, de la recherche, c'est bien ça. Oh, Ptolémée Césarion. Allez, ça, c'est bon, ça. Il a 20 ans. Il a déjà son rang 1. C'est parfait. Oh la vache, lui pareil, il est bien 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 là. Elphessibus, Beus, 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 Beus. Voilà, vous avez compris. Il se met bien quoi. Mais alors. Ok. On va aller jusqu'à Gédrosia. Rosia. Hop. Bonjour, bonjour. On va voir Roxane. Qu'est-ce qu'elle fait, Roxane? Ouais. Ouais, c'est pas génial, hein. Ouais, c'est pas génial du tout, en fait, hein. Roxane, désolé. Tu me sers pas à grand chose. Au revoir, Roxane. Ah! Ah non, mais y en a plus. Hein? Ah oui, bah non, forcément. Je faisais ça, c'est bizarre ça. Voilà, on encercle. On encercle. Pas encore, mais bientôt. Ouais, c'est ça qui est là, historien. Allez, on encercle bis. Et on encercle une petite dernière fois. Pardon? Excusez-moi, je ne crois pas avoir très bien compris le perte comme ça. Mon mode protection. Je sais pas pourquoi j'ai autant de pertes, mais bon. Allez, on relâche, voilà, dans notre grande bonté. Voilà. Et pareil, j'en fais un défenseur. Protection, voilà, on occupe les obélisques radieux, ont monté d'un niveau, c'est parfait.
tirailleur talentueux, ou talentueux tirailleur au choix. Petite résolution automatique, voilà, mode équilibré. Et ça passe tout seul, on occupe. Ok. C'est ta première bataille, Ptolémée Césarion XV. Montre-moi ce dont tu es capable. C'est bien, t'es pas un incapable. T'as réussi à prendre ta ville, 2% de perte. Et tu as mis fin en plus aux séparatistes égyptiens. Ah, Ptolémée Césarion. Ah, on fait un commandant. Il a déjà tellement d'autorité, autant lui en donner un peu encore. Ah bah voilà. Maintenant, la question se pose du je vais où? Je suis allié à lui. Là, ils ont trop de copains, de machins, c'est un peu trop embêtant là, d'aller l'embêter. Je vais peut-être aller sur Nabatée. Ouais, je vais aller sur Nabatée, c'est pas mal. Je vais aller l'embêter. Ouais, je vais recruter. Je vais recruter une femme noble, du coup, pour tout simplement me faire très mal voir de lui et qu'il me déclare la guerre si possible. Ça m'arrangerait. Parce qu'il est quand même allié à Antoine. Disons que j'ai pas spécialement envie de mal me faire voir par lui. Ce serait un peu embêtant. Hein. Je pense que vous comprenez pourquoi. Pas ouf, pas ouf. Bon, je vais la prendre par des punis, hein, par défaut, j'ai envie de dire. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Hop, on devrait arriver à Pauline Dupont. Sinopé, pardon. Mince. C'est où Apolline Dupont? Ah, c'est là-bas, je crois. Non, je sais plus. Je sais plus. Il va falloir que je révise ma géographie, là. Et Auréa, des Drangan. Très bien. Toi, tu vas pouvoir rentrer. Tu as découvert tout ce qu'il fallait. Bon, on va pas te faire découvrir tout ça. Hein. C'est jamais une petite faction cachée. Regardez, on peut renforcer la promotion. Parfait. Doublement! Ah bah il déconne zéro lui, dis donc, à quoi il s'y met. Plus un de morale, oui. Voilà. Il est trop jeune encore, c'est ça? Ouais, il doit avoir au moins 25 ans. Une belle famille nombreuse en tout cas. Oh, Sotera! C'est bien, j'avais pas vu, j'ai une naissante. Une naissance. Une naissante. Définition de naissante, s'il vous plaît. Non, c'est pas pareil. Ah, autant pour moi. Ben, il me demande de l'argent et je veux pas, moi. Je serai honnête. Va te faire mettre. C'est. Ah, rang supérieur, brave du roi. Parfait, ça fera encore plus XP. Ptolémée Césarion. Allez, direction Nabatée, tout le beau monde. Oui, toi. Oh, c'est parfait. Oh, c'est tout pile. Regarde-moi ça, c'est tout pile. Ah, j'aime. Bon bah voilà. Voilà, j'en demande pas beaucoup. C'est magnifique. Et en plus, je mets vachement d'argent de côté. Hein. Il va peut-être falloir que je l'utilise. Au bout d'un moment, c'est pas bon d'en garder autant. Ouais.
je vais lever une armée. Je vais lever une armée avec, j'allais dire quelqu'un de jeune, mais bon, bah, pas de chance. Dolops, Dolops. C'est qui Dolops? C'est lui, hein? 38 ans? Non. Talia? Peut-être avec Talia. Ouais, je vais lever une armée avec Talia. C'est la plus jeune que j'ai, et pourtant, elle a déjà un âge avancé, mine de rien. Ah non, on va lever une armée, on va pas rétablir. Voilà, armée classique, hein. Cette fois, j'utiliserai des javelots. Parce que. C'est tout. Parce que. Ah, j'ai pas d'autres. Non, parce que. On va voir si il y a. Non, pas intéressant au niveau des champions. Et allez. Ouais, donc ce qu'on va faire, c'est que. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, une bonne trentaine de minutes. Donc un épisode calme. Bah, ce sont des choses qui arrivent. Ouais, on va essayer de voir pour les Nabatées. La cible Nabatée pour le prochain épisode. Voilà, donc sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi. On se retrouve demain. C'était Tiob. Ciao!